Bonjour tout le monde, je suis Anthony, je suis service civique à la SPTT Caen Omnisports. Donc avec la section volée de la SPTT Caen, qui est en convention avec le réseau MOCO Normandie, nous voulons vous proposer une séance d'activité physique adaptée qui a été construite avec les différents éducateurs sportifs de la SPTT Caen. Cette séance s'adresse à toute personne voulant reprendre une activité physique régulière et aux personnes ayant des maladies chroniques telles que le cancer et plus particulièrement le cancer du sein. Donc, cette séance va vous permettre de vous lancer et de profiter des bienfaits de l'activité physique tout en étant confiné. Donc cette séance se fera en fonction de vos possibilités et du matériel que vous avez à la maison. Normalement, ça devrait le faire. Donc je vous souhaite une bonne séance. Ok, on va commencer la séance. Et pour ça, on va avoir besoin de matériel, un petit peu de matériel. On va avoir besoin donc, d'une bouteille d'eau que vous allez remplir à la hauteur que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir une bouteille d'eau que vous pouvez soulever avec l'épaule de manière assez simple. On va avoir besoin aussi d'un manche à balai. Donc vous pouvez avoir simplement le manche et aussi le bout si ça pose problème, il n'y a pas de souci. En tout cas, un manche. Aussi, on va avoir besoin d'un traversin, d'un petit oreiller, quelque chose d'assez léger pour effectuer des mouvements. Et aussi, on va avoir besoin d'une chaise. Donc la chaise, d'ailleurs, on va la garder parce qu'on va commencer l'échauffement avec ça. Donc durant l'échauffement, on va faire 10 répétitions à chaque exercice. Donc pour le premier exercice, on va avoir besoin de la bouteille d'eau. Donc on s'assoit, on met le dos bien plaqué contre le dossier, on va lever la bouteille et avec les bras semi-fléchis, on va emmener la bouteille à droite et à gauche. On va faire 10 répétitions. On fait avec l'amplitude qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va encore poser la bouteille. On va se lever, donc on va pousser un petit peu la chaise. Ensuite, debout, on va faire une mobilisation des épaules vers l'arrière et vers l'avant. Donc pour commencer, donc vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Voilà, l'idéal c'est de faire 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ensuite, on va lever les bras le plus haut qu'on peut, donc sans se faire mal. L'idée c'est de respecter un alignement de l'épaule, du bras et de la main pour faire effectuer le mouvement correctement. On va former des 8 avec ses bras. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a effectué les 10 répétitions. Ensuite, on va mobiliser le bassin. Donc pour ça, je vais reprendre la bouteille. C'est comme avec un ballon, comme on peut faire au soft volley. Sauf que la bouteille, on va la prendre comme ça, comme un ballon. Et on va mobiliser le bassin. On va faire 10 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Voilà, on fait tous à l'amplitude qu'on peut. Il n'y a pas de souci. Du moment qu'on bouge et qu'on fait les mouvements correctement, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est le bassin pour travailler. Ensuite, maintenant, on va partir sur 10 squats avec le bâton. Donc au lieu de le mettre à l'arrière de manière assez classique, on va simplement le lever à chaque fois qu'on descend. Donc c'est parti. Les pieds à hauteur des épaules, à peu près, enfin la largeur des épaules à peu près, et on est parti. On forme un angle de 90 degrés avec ses genoux, hein. On va descendre pas plus bas. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, on est sur un échauffement qui mobilise à peu près toutes les articulations. On se donne à peu près le temps d'aller boire, 10 secondes, de manière à pouvoir faire l'exercice. Bon, on va avoir un chat qui apparaît dans le champ, mais c'est pas très grave.
Donc là, on va enchaîner les différents exercices avec le moins de temps de pause possible. Donc l'idée, c'est de faire des exercices sans se faire mal. Donc on est reparti. On reprend la bouteille, la chaise. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas le temps d'aller boire, etc. Prenez votre temps. Ok. Donc on tient la bouteille, les bras semi-fléchis, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a fait nos 10 répétitions, on se lève, pose la chaise, on se met debout, on mobilise les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se met les bras en l'air. C'est parti, on fait des 8. 1, 2, on fait l'amplitude qu'on peut. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on mobilise le bassin, on reprend la bouteille et on bouge uniquement le bassin dans ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre le manche à balai. On essaie d'enchaîner des exercices. Ok, c'est parti. On fait 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc là on a fait 2 rounds. C'était l'objectif. Si vous êtes capable de faire plus ou que vous sentez que vous n'êtes pas assez échauffé, n'hésitez pas à en refaire un en plus. Donc, je vous invite à faire pause et à répéter les exercices, s'il n'y a pas de souci. Donc là, avant de commencer le corps de séance, je vous conseille encore une fois de boire, c'est important de s'hydrater. Je vous rappelle que pendant les exercices, il faut faire des exercices à l'amplitude qu'on peut. Donc l'idée, c'est de ne pas se faire mal. Voilà. Donc, je vous conseille de boire régulièrement et puis on se retrouve pour le corps de séance. Ok, donc après notre petit échauffement et notre petite pause à peu près de 1 minute à 2 minutes, on va commencer notre séance plutôt cardio-renforcement musculaire. Donc pour ça, on a besoin du même matériel que tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de faire environ 3 rounds. Je vous inviterai à en faire plus si c'est possible, et si vous ne pouvez en faire que 2, ce n'est pas grave. Donc on fera 5 exercices différents. On aura 10 répétitions à chaque fois, sauf pour un exercice, on fera uniquement 5 répétitions. Donc, sur le premier exercice, je dirais plus complexe entre guillemets, l'idée c'est de poser deux objets, donc la bouteille et le coussin, à peu près 2-3 mètres de distance. L'idée c'est de descendre en squat pour toucher un objet, de faire un pas chassé, d'aller toucher un autre objet. Donc, on essaye de faire l'amplitude qu'on peut, on se fait pas mal et on y va. Ok, on est prêt, donc 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc ensuite on enchaîne sur un jumping jack sans sauter et sans lever les mains trop en haut. Donc l'idée c'est d'aller taper les mains devant et d'éviter de sauter. Donc pour éviter de sauter, ce qu'on va faire, on va mettre un pied sous le côté en essayant de fléchir sur une jambe et on ramène. Ok, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc on a fait nos 10 répétitions. Ensuite, on va enchaîner sur 5 pompes. Les pompes, je vous préviens, on va simplement faire des pompes contre le mur. Donc, si j'ai des grosses difficultés à faire des pompes pour différents problèmes, entre guillemets, il nous suffit de rester debout sur le mur. Donc on pose les mains, plus c'est compliqué, plus je vais rapprocher les pieds du mur. Bon. Si je suis debout, autant vous dire que ça ne sert quasiment à rien.
Mais l'idée, c'est de se pencher un petit peu sur le mur, poser les mains et faire des pompes. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Donc si on est à l'aise et qu'on peut en faire au sol, on y va. On peut faire sur les genoux ou sur les pieds. On y va doucement, on évite de se baisser. Ensuite, on va partir sur le soulevé de terre. Donc sur le soulevé de terre, on va prendre un coussin qu'on va prendre à peu près à la largeur des épaules. L'idée, c'est de descendre le dos droit en pliant les genoux, en descendant et en serrant les fesses quand on remonte. Ok, voilà, sans trop verrouiller les jambes. Donc on serre surtout les fesses pour remonter. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc on pense bien à serrer les fesses. C'est un soulevé de terre. Ensuite, on va partir sur le bike abs. Ce que j'appelle le bike abs, c'est de faire des abdos en faisant des... comme du vélo, en fait, comme son nom l'indique. Donc l'idée, c'est de s'allonger sur le dos. Hop. Donc le dos bien plaqué contre le sol. Je ne dois pas pouvoir passer une main. Et l'idéal, c'est de poser les mains du coup au bassin. Ça permet de voir si on a le dos bien placé. Et on est parti pour 10 bike abs. C'est-à-dire, on va faire du vélo. On peut faire en rétro-pédalage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut faire comme ça aussi, 9 et 10. Voilà, après vous infligez la difficulté que vous souhaitez. Donc, une fois qu'on a fait ces 5 exercices, on a fait un round. Je vous invite à en faire plusieurs. Donc, on peut se faire une petite pause pour boire. Alors, c'est très important encore une fois de boire, toujours s'hydrater pendant les séances. Je vous rappelle qu'on fait des exercices à l'amplitude que l'on peut. L'idée, c'est de ne pas se faire mal, c'est de se faire plaisir en bougeant. Donc une fois qu'on a bu, je vous invite à repartir sur la séance. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez des difficultés, si vous prenez plus de temps à boire que moi. Donc on écarte tous les objets, à peu près de 2-3 mètres. C'est parti, 10 répétitions, on touche les objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc là on a fait nos 10 répétitions, ensuite on part sur le jumping jack. Donc le jumping jack, ce coup-ci, je vais le faire en sautant, en claquant les mains devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Après le jumping jack, donc on respire, on va contre le mur ou sur le sol. D'ailleurs, je vais les faire sur le sol pour ceux qui souhaitent éventuellement faire des pompes au sol. On va faire sur les genoux, déjà, dans un premier temps. On pose les mains, hauteur des épaules. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois qu'on a fait des pompes, on va faire du soulevé de terre. Donc, on reprend le coussin à hauteur des... Enfin, on prend la largeur des épaules. Pour rappel, on descend dos droit. On regarde tout droit aussi. Et on remonte, on serre les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc si on sent que ça ne travaille pas assez, on peut faire encore quelques répétitions. Mais bon, quand on va faire un autre round derrière, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Ensuite, on fait les bike abs. Donc on se remet sur le dos. Moi, je vous conseille de ramener le menton sur le torse.
on met les mains au niveau du dos pour s'assurer que le dos est bien plaqué. On lève les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc ensuite on peut se relever et on a fait notre deuxième round. Donc je vous invite encore une fois à boire. Moi, je vais enchaîner. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause si votre pause est un peu plus longue. Donc je répète, on dispose des objets. Et on est parti pour nos squats et nos pas chassés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va partir sur les jumping jacks. Donc je rappelle, on tape les mains devant et on saute. Ou alors, on peut partir sur le côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va partir sur les pompes sur le mur. Donc, je rappelle, moi je ne vais pas me remettre au sol. Parce que peut-être que plus de monde vont se mettre sur le mur. On se met les mains sur le mur. On stabilise bien au niveau des pieds. On est parti, on plie les bras. On fait des 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on a fait nos 5 répétitions. Ensuite, on va partir sur le soulevé de terre. On prend le coussin. On pourrait prendre le manche à balai aussi si on veut. Et si on est sur le coussin. Donc c'est parti, on écarte à hauteur à la largeur des épaules encore une fois. On descend, on regarde tout droit, on serre les fesses quand on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On serre bien les fesses. On repose. Ok. Ensuite, après ça, on peut partir sur le dernier bike abs, à moins que vous vouliez faire un autre angle. On se met au sol, les mains au niveau des hanches, on lève les jambes, et c'est parti pour 10 bike abs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Si vous voulez faire plus de répétitions, n'hésitez pas. Ok, donc on a fait nos 3 rounds. Donc c'était l'objectif principal. N'hésitez pas à en faire un ou deux de plus si vous sentez de le faire. Ou alors d'en faire beaucoup moins. Si vous en souhaitez en faire un de moins, donc par exemple 2 rounds. Faites en fonction de vos possibilités, faites-vous plaisir avant tout et évitez de vous faire mal. Voilà, donc à la fin, après cette séance de renforcement musculaire et de cardio, vous pouvez tout simplement vous allonger, respirer, écouter une musique relaxante. Moi je vous conseille Petit Biscuit, parce que c'est personnellement ce que je préfère pour faire de la relaxation. Ensuite, après votre douche, éventuellement ou une heure après votre séance ou une demi-heure après votre séance, je vous conseille de faire une petite séance d'étirement. Donc on va vous mettre un lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la faire. C'est toute une petite routine, toute calme, de 5 minutes, voilà, qui permet simplement de bien s'étirer après une séance. Donc je vous conseille d'éviter de la faire directement après la séance, juste après la douche, c'est très bien. En tout cas, je vous souhaite de bonnes séances d'activité physique et à la prochaine.